déjà de venir ici, de t'être déplacé dans cette boutique, dans ce temple. Voilà, on va dire un des derniers temples parisiens. Exactement. On va dire des beaux films, de la cinéphilie. Juste, je refais un petit peu le petit historique. On s'est contacté, on se connaît absolument pas. Je t'ai dit un peu d'une manière pas provocatrice, mais que je n'étais pas totalement fan de ton film, de ton nouveau film. Mais que j'avais beaucoup aimé ton premier film, qui s'appelle donc La Résistance de l'air. Et que je m'étais dit que peut-être ça pourrait être intéressant qu'on en discute, qu'on débatte, plus que sous la forme, on va dire, d'une interview classique où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà. Et tu as très sportivement accepté, et je trouve ça super chouette de ta part. Voilà, je tiens à te le dire. Donc ça, déjà, merci. C'était pour commencer. Voilà. Donc, pour te présenter en deux mots, j'avais écrit il y a quelques années, au moment de La Résistance de l'air, j'avais été très étonné de la façon dont ton film avait été distribué par Gaumont, pour ne pas les citer. Et moi, je n'avais pas été invité à la projection de presse, comme beaucoup d'amis ou de confrères ou consoeurs. Et puis le film a fait un four, on peut le dire, en salle. Donc j'aurais voulu revenir un petit peu, même si je pense que c'est un peu douloureux pour toi, j'en suis désolé, mais j'aurais voulu un peu, parce que moi, ça nous donne un petit peu quelques éléments de compréhension, un petit peu de comment le système marche un peu en France. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait il y a eu un moment clé, parce que c'était les attentats de Charlie, si bien compris. Et donc devait sortir 3 semaines plus tard. Voilà, c'est ça. Donc et que donc du coup ça a un peu chamboulé, on va dire, tout le programme de sortie, ce qui était prévu. Voilà. Donc je te laisse un peu revenir sur la chose. Bah, c'est assez simple. À partir du moment où il y avait eu un attentat comme ça, il y a eu d'autres gens qui ont eu. Je crois que c'est Valérie Donzelli qui avait sorti un film la semaine de Charlie, qu'ils ont gardé en programmation, qui a disparu. Qui s'appelait comment déjà, je me souviens. Oui, mais c'était le film d'après. Oui, t'as raison. Voilà, mais moi, j'ai oublié le titre. Oui, bien sûr. Voyant ça, effectivement, on a un peu tous flippé, le distributeur le premier, et donc on s'est dit on va le reprogrammer. Maintenant, on sait très bien que quand on déprogramme un film. Mais alors, pour quelle raison ils l'ont déprogrammé, à cause des attentats? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus personne qui allait en salle? C'est quoi l'idée exactement? Ça parlait d'un type qui tuait des gens avec un fusil, voilà. Ouais. C'est un film noir, c'est un film sombre. Ouais. C'était pas le moment. D'accord. Okay. Voilà. C'est un polar assez dur. Ouais. Du coup, ils l'ont sorti quand? Oui, on l'a sorti en face de Jurassic World, donc c'était, on était mort. Et puis, comme c'était un film d'hiver, tourné en hiver, sombre, comme j'ai dit, le sortir au mois de juin, c'était assez risqué. D'accord. Non, mais c'est ce que je dis, que quand un film est déprogrammé, c'est un très mauvais signal. En plus, il y avait déjà eu des projections, et puis elles avaient été annulées. Des projections genre des avant-premières, comme ça? Non, des projections pour les journalistes. Ah oui, oui. Des projets presse. Ouais. Et pourquoi elles ont été annulées? Elles ont été annulées à cause de ça? Parce que comme la sortie était différée, ils se sont dit, on arrête tout de suite les projets presse, on les refera plus tard. Mais ils ne les ont jamais faites. Enfin, parce qu'on est sorti juste après Cannes, donc on s'est retrouvé pris dans le maelstrom général qui suit toujours le festival de Cannes. Et à l'époque, il y avait la polémique Cavaillé, tu sais, le Figaro avait fait un article en disant que Gaumont n'invitait plus les journalistes du Figaro parce qu'ils avaient un peu défoncé le Cavaillé à l'époque. Donc du coup, c'était monté en épingle, cette histoire, en fait. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est toujours un truc... ça, c'est très bizarre. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus sur les choix qui sont faits. Est-ce qu'on monte le film à la presse ou pas? Souvent, quand t'es pas très sûr, quand un distributeur est pas très sûr du film, il préfère ne pas le montrer ou... Oui, d'autant que moi, je ne veux pas me tirer une balle dans le pied en disant ça, mais on va pas se cacher derrière le petit doigt. Aujourd'hui, qui lit des critiques de cinéma, quoi, franchement? Enfin, moi. Toi, oui, d'accord. Moi, ok. Non, je suis d'accord. Non, mais il y a, on va dire, on est quoi? On est très peu aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, la grande majorité, on va dire, des jeunes ou de ceux qui vont au cinéma, ils vont regarder la bande-annonce, ils vont regarder certains trucs, mais ils vont même plus lire la critique. Ouais. Ils vont voir un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en tout cas. Voilà, c'est ça. Mais bon, ils vont pas lire le... Tu sais, c'est un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une certaine défiance vis-à-vis du journalisme sur le terrain avec ce qui se passe dans les rues de Paris ou ailleurs en France. Bah, je présume que c'est la même chose pour tout ce qui est la critique cinéma, quoi, tu vois, je veux dire. Donc je pense qu'il y a... Je comprends pas pourquoi... Après, c'est aussi, ça dépend des réalisateurs. Moi, ça me gêne pas beaucoup. Je trouve ça même plutôt intéressant.
Oui, bien sûr. Mais oui, bah, y en a que ça blesse énormément, d'autres... Alors, du coup, ça me permet justement de rebondir sur un truc que tu disais quand tu es arrivé dans la boutique, parce que tu disais que toi, tu venais, tu te souviens d'être venu assez régulièrement dans cette ici, boutique. Ouais. Donc, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a bouffé... J'ai acheté mon premier lecteur DVD voilà, ici. Ouais. Donc, qui a bouffé, t'as bouffé du cinéma, quoi, t'as bouffé film. Tu fais partie de cette génération de, ou de cinéastes, cinéphiles. Si ouais. Voilà. Je vais même te dire un truc pire que ça, c'est que moi, j'ai grandi au Canada. Oui, tu peux comprendre que tu étais d'origine. Enfin, je sais pas si Canadien. Tu es né au Québec, c'est ça? Non, je suis né à Paris, mais ma mère est canadienne. D'accord, donc tu as évolué là-bas. Ouais. D'accord. J'ai grandi là-bas et j'ai grandi dans un pays à une époque où en France on avait 3 chaînes de télé et demi, enfin 2 et demi, puisque France 3 s'arrêtait vers 21h, 22h. Oui, d'accord. Et qu'à 5 ans, j'arrive dans un pays, on déménage et j'arrive dans un pays où d'un seul coup, on me donne accès à 120 chaînes de télé. D'accord. Et à du Cinoche et de la série. Voilà. Bon. Comme un malade. On a un peu vécu la même chose pour ta fenêtre. Voilà, parce que moi j'ai vécu aux États-Unis, donc c'est le même principe. Voilà. Et ben, d'un seul coup, je me suis retrouvé, et puis c'était pour mes parents la meilleure babysitter. Et à une époque, on ne disait pas encore trop la télé, c'est pas bien et tout ça. Je me rappelle, on avait des télécommandes à bouton poussoir. Tu appuyais sur une chaîne, il y avait l'autre qui faisait clac, et puis tu avais un fil qui te reliait à la télé. Et moi, de la télé, j'en ai bouffé, quoi. J'en ai bouffé, et pas que du cinéma en fait, hein, parce que je me rappelle même de la premier jour de diffusion d'MTV aux États-Unis où tout le monde disait que c'était le diable. C'était quoi, c'était 84, non, un truc comme ça, c'est peut-être un jour même. Non, ça c'est 82. 82, c'est ça, ouais, bien sûr. Ouais. Et tout le monde disait c'est le diable. Et mes parents nous interdisaient avec mes frères et soeurs de regarder MTV. Ouais, bien sûr. Non, c'est mauvais pour la santé. Tu viens du cosmonaute qui arrivait sur la ligne avec le drapeau. Au Québec et au Canada à l'époque, il y avait une chaîne concurrente qui s'était créée qui s'appelait Much Music. C'était d'accord. Exactement la même chose. Ouais. Mais c'était ça. Mes parents disaient non, le clip de Thriller, c'est interdit, vous n'avez pas le droit de voir ça, c'est une honte, c'est un scandale. Donc, puis après, quand je suis revenu en France, quand on a redéménagé. Plutôt vers l'adolescence Ouais, il fallait retrouver, au début d'adolescence, ça a duré quelques années. Ouais. Il fallait retrouver d'autres sources. Donc Canal arrivait. Tout juste. Ouais. Donc c'était déjà pas mal. Mais. Bah, on a eu à ce moment-là la 5, il y a eu TV6. C'était l'ancêtre de M6. Voilà, donc. Je me rappelle très bien. Et puis bien. On avait la 5 avec. Puis on avait des boucleurs comme ça. Moi, je voyais sur la 5 toutes les séries que j'avais vues au Canada. Bien sûr. En VO. Mais en VF. Et en VF. Donc c'était K2000, ouais, qui s'appelait Knight Rider, chez les Américains. Tout plein de trucs comme ça qui moi m'avait vachement fait rêver. Ouais, bien sûr, marqué. Ouais. Ma première envie de cinéma c'était d'être cascadeur parce que je regardais, il y avait une série que j'adorais qui était L'homme qui tombe à pic. Ah, j'adore. Je voulais être Colt Sivers. Et en fait j'étais trop douillet. D'accord, ok, bien, ça permet de, ça permet de situer, alors, quoi. Pour te dire, oui, je suis un cinéaste cinéphile. Mais alors, moi, j'ai lu tu continues peut-être à tourner autour de la famille d'Audiard, si j'ai bien compris. Ouais, si on, ouais. Parce que tu as fait des clips, ou en tout cas, tu as fait des... J'ai fait des clips, j'ai fait de la pub, j'ai commencé en faisant de l'habillage télé. D'accord. J'ai même commencé en produisant des clips. Mm-hmm. Ça, t'as été producteur. Ouais, j'ai été producteur. T'as commencé en étant producteur. Clip et pub, ouais. Ouais. Et habillage. Ce qu'on appelait à l'époque l'habillage télé. D'accord. Et puis il se trouve qu'à un moment dans l'habillage, dans la boîte dans laquelle on bossait, on n'était que deux. On avait tellement de travail, donc il fallait que je m'y mette aussi. Moi, j'avais fait des études de réalisateur pour être réalisateur à Paris et à New York après. Et donc voilà, petit à petit, ça s'est enchaîné comme ça. Puis un jour, j'ai tout arrêté pour dire. T'as envie de réaliser, quoi. Ce que j'avais toujours eu envie de faire, c'était ça. Okay. Donc, Et j'ai cru comprendre que tu es, dans le film Un prophète, c'est toi qui es l'auteur de du passage de rêve, onirique, du cerf. En fait, avec Audiard, on s'était rencontrés sur De battre mon cœur s'est arrêté. Mm-hmm. Il avait... Je suis très ami avec son scénariste, avec Thomas Bilguin, que je connais depuis très longtemps. Qui avait fait Cowboy. Qui a fait les Cowboys. Qui fait un film qui s'appelle Smiley, je crois, j'ai ça. Qui prépare pas mal de choses. Ouais. Entre autres, d'accord. Okay. Je suis pas au courant. D'accord. Je ne sais rien et je ne dirai rien. D'accord. On avait. Jacques avait vu des jingles que j'avais fait pour France 2. Ouais. Et comme il m'avait dit, ça l'avait fait rêver. Et il savait que Thomas et moi on se connaissait. Et donc un jour, Thomas m'appelle et il me dit il voudra un générique. Donc on s'est rencontrés et puis on s'est plutôt bien entendu et on a continué à travailler ensemble sur chaque film. D'accord. Okay. Et puis à un moment il y a eu Un prophète où là il y avait plus de travail qu'un simple générique, parce qu'il y avait des séquences de rêve. C'était assez rigolo puisque moi je tournais des pubs au Brésil.
D'accord. Et donc, il y a une partie de cette séquence qui est en fait tournée en forêt amazonienne. D'accord, génial. Ouais. Et tu avais déjà fait ton court-métrage à ce moment-là ou... Non, je l'ai fait juste après. Tu l'as fait juste après. Juste après, j'ai fait mon premier court-métrage. Et puis, on a continué. On a continué à dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu après, enfin, Donc, si Dorouille et Dos, ouais. où j'avais fait la séquence d'ouverture. D'accord. Qui était aussi une séquence de rêve, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Jusqu'à Frères Sisters, où là, j'ai fait que de la un travail de typographie. D'accord, ok, très bien. Avec, sachant que c'est, le même, c'est toujours le scénariste qui est sur les Frères Sisters aussi. Ouais, c'est toujours Thomas. D'accord, ouais, c'est Thomas. Ouais. Mais justement, j'avais cru comprendre que l'intervention, c'est un peu à cette période-là, en fait. C'est-à-dire que tu as eu déjà l'idée, que tu commençais déjà à écrire sur ce film, avant même, donc ouais. j'ai bien compris, La Résistance Absolument. De l'air. C'est Absolument. Ça. Ouais. J'avais même proposé à Thomas qu'il m'avait dit. Ah oui, d'accord. c'était trop compliqué, c'était pas son univers. Exactement. Ouais. Il le sentait pas. Ouais. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans ce milieu, enfin qui m'a l'air d'être un milieu quand même assez pas fermé, mais un milieu quand même du GIGN, enfin de pour essayer de comprendre un peu tout ce qui s'est passé, tu vois. Parce qu'il a fallu que tu fasses quelques recherches quand même. Avant, ah ben complètement. En fait, c'est un ami qui vient me voir. Et qui me dit qu'il aimerait faire un truc sur les débuts du GIGN, il connaissait certains des tireurs. Mais il voyait plus un truc de bricolage. Enfin voilà, comment ils ont créé leur caserne et tout ça. Et je disais, moi, je trouve pas ça très intéressant, j'ai l'impression de l'avoir vu mille fois. Et en faisant les recherches, je me disais, mais il y a une histoire là-dedans qui représente un peu tout ça, un peu le début, qui était l'histoire de Djibouti. D'accord. Et puis après, on a commencé à travailler avec les vrais acteurs de l'histoire, le film... Donc ça n'a pas abouti dans un premier temps. Ça n'a pas abouti dans un premier temps. T'es parti sur La Résistance. C'était trop compliqué, je suis parti faire La Résistance. Alors, sur un film comme La Résistance, qui, je crois que tu m'as dit, c'est 4 millions, un budget de 4 millions, le film fait un four. Bon, pas de ta faute, mais le film fait un four. Comment t'arrives pour faire un film comme L'Intervention qui m'a l'air... Je sais, en tout cas, à l'image, peut-être que je me trompe, il fait plus riche que 4 millions, mais peut-être qu'il a coûté moins, j'en sais rien. Il est moins cher. Voilà, d'accord. Ouais. J'en étais sûr, je savais bien qu'il y avait un piège. Comment tu fais? Tu travailles beaucoup. D'accord. Non, puis je voulais un film sec, assez ramassé, donc... Puis t'as une unité de lieu, donc c'est pas trop compliqué en gestion. Ouais. Par contre, tu sais qu'il va falloir servir très fort le dernier quart d'heure, quoi. Ouais, mais le scénario s'appelait 15 minutes de guerre à la base. Oui, c'est ce que j'avais cru dire. Mais il y a plus d'acteurs, tu vois, il faut gérer. Alors, en termes d'écriture, je présume que ça demande peut-être pas plus. Un peu plus choral, mais c'est un groupe qui est compact et ils sont tout le temps ensemble, donc. Ouais. C'est sûr, il faut les faire un par un. C'est ça, ouais. Ouais, c'est une mise en place qui est assez différente et je voulais pas, sans doute parce que j'étais traumatisé de mon expérience de La Résistance, je voulais faire formellement un film totalement différent. D'accord. Donc je crois qu'il y a trois. C'est vrai qu'il est plus unique, enfin, il est plus. Enfin, c'est vrai que La Résistance est plus. Comment dire ça C'est posé, voilà. C'est un peu plus. Ouais, alors que là, on est dans quelque chose, en effet, plus écho, En c'est fait, clair. Moi, j'avais. Avant de faire l'intervention, je détestais l'épaule. La caméra à l'épaule. Ah oui, la caméra à l'épaule. Ouais. Là, je crois qu'il y a deux plans. Il y a que deux plans dans La Résistance à l'épaule. Mais là, je crois que tu te trompes pas mal. J'ai fait l'inverse. Voilà, je me suis mis un peu en danger et j'ai fait un film où il y a quatre plans en pied. D'accord. Okay. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de drone, il y a une grue et les points de vue de loin qui sont forcément en pied parce que sinon l'image elle bouge trop. Mais c'est une volonté économique ou c'est une volonté artistique ou les artistique. Deux D'accord. C'est okay. artistique, c'est pour faire. Enfin, l'idée c'était de faire un truc beaucoup plus tendu visuellement. Mais qui c'est qui t'a convaincu justement que c'était moi. Tout seul Ouais. D'accord. Tout seul. Et je me disais que le sujet s'y prêtait. Mais c'était pas dans une idée, parce que souvent on se dit on va le faire à l'épaule parce que c'est un peu documentaire. Non, c'était vraiment pour. En plus, l'épaule permet un truc, c'est qu'on n'a jamais vraiment deux fois la même prise. Même au cadre. Donc on faisait évoluer à chaque prise, on changeait un truc avec les acteurs, de faire un truc beaucoup plus dynamique. Ce qui fait qu'en montage, on se retrouve avec un choix énorme de pouvoir raccorder dans l'axe, enfin faire des trucs beaucoup plus violents. D'accord. En termes de montage, quoi. D'accord. Et donc, au scénario, sur ce truc-là, tu te fais, entre guillemets, aider, ou en tout cas, tu travailles avec deux personnes, c'est ça? Ouais, il y a Epstein. Voilà. Alors, je voulais pas le dire parce que je savais pas comment le dire. Et on dit Epstein. D'accord. Et Jérémy Guez. D'accord, ouais. Jérémy Guez. Et je crois que Jérémy Guez, je crois que je l'ai vu sur le scénario, par exemple, dans La Brume, non? Il est pas... Ouais. C'est ça, voilà. Il est Lucas, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Jérémy, il a fait pas mal de trucs ces derniers temps. Il a réalisé son premier film. Et quand c'est comme ça, parce que moi ce qui me pose un des problèmes du film, moi, c'est les dialogues. J'en ai un peu parlé, je t'ai dit un peu,
un peu, moi ça me fait un peu sortir du film, okay. Quelques dialogues qui me font sortir du film, mais comment tu travailles ça? Ça travaille en chorale tous les trois ou il y a quelqu'un qui est assigné au dialogue? Ouais, en général c'est moi parce que j'adore ça. Ouais. Donc je te remercie. Désolé. Non, moi ça m'a fait sortir un film. Ouais, je suis pas en train de dire que c'est pas bon. Je dis juste que. Oui, de temps en temps c'est peut-être un peu malin. Enfin, on joue un peu les malins avec les dialogues. Ouais. Je suis pas là pour te dire que. On tente un peu des punchlines, mais c'est un truc très à l'américaine. Ouais. Voilà. Moi, chez moi ça tombe à l'eau. Enfin ouais. Moi ça tombe, ouais. Ça tombe, voilà, ouais. Tu vois. Là, mais après derrière. J'ai pas de solution. Pour mais toi. Moi après derrière j'ai un. Je trouve que c'est rattrapé par justement cette façon de filmer après, que tu as. Il y a assez peu de dialogue dans le film. Il est vrai, mais. Mais... on l'a gardé assez sec justement pour être dans un langage plus visuel. Je suis d'accord, mais tu vois, regarde, parce que Alban Lenoir, d'accord, qui est un acteur que j'ai découvert avec le film là, qu'il a fait où il joue le rôle du skin, là, tu ouais, sais, un, de, français. Un français, voilà, qui est vachement bien. Ouais, j'adore ce film. Hein, c'est un acteur génial. Et il est génial dedans, tu vois. Donc, et là, je l'ai trouvé, tu vois, je trouvais pas dans le. Enfin, voilà. Alors peut-être que. Bah, je me suis dit, est-ce que c'était l'inspiration d'une personne vraiment qu'il a vue et qu'il est comme ça et que c'est comme ça, c'est tout. Si moi je le vois dans la vraie vie, je m'en vais entre guillemets parce que c'est pas un mec que t'as envie de côtoyer ou un truc comme ça. Peut-être je me suis dit, tu veux dire Alban ou oui, le personnage pas Alban, voilà. Oui, parce que t'aurais tort, voilà. Non, je me doute. Non. Mais je parle du personnage. Et donc du coup je me suis dit bon, c'est voulu, c'est assumé comme tel, parce que bon, Alban c'est un super acteur, quoi, tu vois. Donc il est plutôt rentré dans le film, mais c'était aussi un moyen pour comme tout est centralisé autour de lui, ouais, de donner un peu d'espace aux autres qui sont eux sont plus pas dans la comédie mais dans la punchline, et pour c'est un film hyper tendu, donc moi j'avais besoin que de temps en temps mais ça je dis comme pas comme les mecs que j'ai rencontrés, hein, ouais, que de temps en temps ça rigole un peu. Bien moi sûr, je suis ouais, une famille de médecins, mm-hmm, et ben ça fait des blagues tout le temps au bloc, hein. Je me doute, hein. Voilà, ils ont besoin de ça, mais il y a des gens qui m'ont dit t'es sûr, est-ce qu'il y a une prise d'otage d'enfant, est-ce que t'as le droit, est-ce que tu peux c'est faire pas des ça que je trouve au contraire, parce qu'en effet je vois très bien la filiation avec le cinéma, c'est tout américain ou comme ça. C'est pas ça qui m'a un truc, c'est encore une fois, c'est comme je te l'ai peut-être dit tout à l'heure en off, c'est le fait que peut-être que ça parle français. Alors je sais pas, tu vois, il y a le côté, ouais, le côté que les punch... Oui, ça je suis d'accord. Non. Mais ça parle, alors que je suis le premier à être contre cet aspect de dire qu'il faut faire, pour que les films marchent, il faut les faire en américain, etc. Alors là, ouais, moi c'est pas du tout mon principe. Non, mais là, la moitié du film est en anglais, hein, quand même. En plus, donc, oui, bien sûr. Mais alors, je sais pas. Ça... Non, c'est-à-dire que c'est les années 70. Ouais. J'ai été bercé de cinéma américain, mais j'ai aussi été bercé de Verneuil, Lautner, Le Professionnel est un film que j'adore. Et donc on est un peu allé chercher aussi là-dedans, dans ces trucs-là, qui étaient bourrés de... Et c'est vrai, quand tu les revois aujourd'hui, tu te dis, oh, les mecs, c'est un peu abusé sur les dialogues. Mais il y a un truc qui marchait. Alors après, tu l'excuses quand tu revois un vieux Lautner, quand tu revois Le Professionnel, il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment... Ah oui. Le Professionnel, c'est pas forcément, c'est un film, on va dire, un peu iconique, emblématique, mais c'est pas forcément, en effet, en termes de crédibilité ou en termes de trucs, c'est pas le film qui non, se pose là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, même au niveau des dialogues, c'est le film où Bebel meurt. Donc, oui, on est d'accord. Ça, c'est... mais là, en l'occurrence, bon, alors justement, ça va permettre peut-être de faire une sorte de transition sur la recherche entre la fiction et le côté un peu documentaire, les recherches. Ouais. Donc il y a une première partie de recherche que tu fais avant la résistance de l'air, tu laisses, entre guillemets, tomber pendant en stand-by, tu mets ça en stand-by, tu reviens dessus. Mais je ne reviens pas aux recherches. Tu ne reviens pas aux recherches, non. Mais le scénario, il est plus ou moins fait. Je le laisse à Ileana, d'accord, qui ne connaît pas l'histoire, et moi je pars uniquement de mon envie de cinéma. D'accord. Donc du coup, par exemple... Et elle me dit, ah oui, mais attention, ça, là, il s'est passé ça. D'accord. Ah, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait, d'accord, machin. Okay. Et puis on part de coupures de presse, d'articles... Alors la décision, par exemple... Et d'un souvenir que moi j'avais du film que j'avais envie de faire à l'époque. D'accord. Et alors du coup, le personnage, par exemple, du membre de la CIA qui n'existe pas, non, apparemment, ouais, il y a ça, l'institutrice... J'ai cru comprendre dans les coupures qui sont reproduites dans le dossier de presse qu'il y avait une assistante sociale, c'est ça Mais... Alors en fait, l'institutrice, c'est un mélange de Jean-Michel Dupont, chauffeur de bus, d'accord, qui est resté pendant toute la prise d'otage. D'accord. Et, alors que là, tu le fais partir dans sociale, le film, en fait. Voilà. Mais parce que c'est toujours hyper problématique à expliquer, mais surtout que nous, on a montré le film aux anciens otages. Ouais. Donc je leur ai expliqué les changements et pourquoi les changements, mais... C'est plus d'un point de vue dramatique. C'est dramatique, et puis c'est d'un point de vue de production, en termes de... On est dans un bus.
j'ai deux personnages qui ont a priori, qui sont un peu redondants l'un avec l'autre à l'écriture. J'ai une trentaine d'enfants dans un bus. Travailler dans un bus à deux caméras, c'est quand même très compliqué. Et comme ils sont redondants, bah, je les fusionne. Mais pas différemment que Mark Ball quand il écrit Zero Dark Thirty, c'est-à-dire que le personnage de Jason Clarke, il regroupe 40 agents différents. Et donc je suis parti de ce principe justement après avoir lu beaucoup d'interviews de Mark Ball sur comment il faisait ça, quels sont les choix. Et dès qu'on sent qu'un personnage est redondant par rapport à un autre, hop, on les met ensemble. Et puis j'avais ce truc que tout le monde me disait, mais pourquoi une assistante sociale? Parce qu'à l'époque, une assistante sociale, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Donc on a dit qu'elle était institutrice, et puis voilà. C'est plus dans le truc. Mais elle s'est vraiment portée volontaire, et tout ça, on l'a gardée. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc il y a le personnage. Alors le personnage de CIA, c'est que si j'ai cru comprendre, il y avait quand même. On était en pleine guerre froide, donc c'est pas. Ça sert à expliquer pas, le contexte. C'est pas déconnant, quoi, d'avoir un mec comme ça, même si ça, il a pas existé. Non, il y a un dossier sur l'affaire, apparemment, à la librairie du Congrès. Qui a été déclassifié, donc les Américains étaient très au courant de ce qui se passait. Il y a des... Le mec russe en face... Il y a des archives qui ont été retrouvées dans les archives de la Stasi, m'a-t-on dit, et dans les archives du KGB. Mais ça, c'était dans les journaux. C'est surtout Minute qui a publié un très, très gros dossier et qui parlait de ce bonhomme. Donc à partir de là, on fait des choix. Le personnage de la CIA, c'est aussi le candide, celui qui pose des questions sur comment ça marche, tout ça. Bien sûr. Chez eux non plus, le fait que le principe de ce cinq personnes qui tirent en même temps un coup de feu, on va dire, synchro, ça s'était jamais vu non plus alors. Non. D'accord. Alors c'est quoi votre truc hein? Un tir simultané. Un. Ouais. Cinq fusils synchronisés. Deux. Prêt. Une seule détonation. Trois. Prêt. Quand tout le monde tombe en même temps. Quatre. Prêt. Il n'y a plus personne pour riposter. 5. Prêt. Ça, c'est quelque chose, une création, je dirais, franco-française. Quoi. Ça, c'est de GIGN, ouais. D'accord. Ouais. Donc, ça, c'est leur marque de fa... Enfin, c'était. Et ça l'est toujours. Ouais, ça l'est toujours. D'accord. Donc, ça, c'est un truc. Bon, ouais. Mais tu vois, je trouve ça. Ça l'est toujours. Et forcément, en termes de cinéma, c'est assez impressionnant. Bien sûr. C'est ça qui est. C'est à la fois. Enfin, en même temps, c'est à la fois impressionnant et en même temps, pas tellement. C'est-à-dire que c'est impressionnant dans le concept quand... Quand ça dépend comment tu le montes. Enfin, comment tu le montres. Quand je te le raconte, mais visuellement, c'est une bande de mecs allongés les uns à côté des autres qui comptent. Donc, non, mais ça pose des problèmes de cinéma qui sont hyper intéressants bien en sûr, réalisation sûr, parce que ouais. T'as un truc, il faut le dynamiser. Donc, ouais. Il faut le dynamiser et puis faire monter la progression pour que quand ça arrive. Puis en même temps, quand tu l'expliques au mec de la CIA, tu fais expliquer au mec de la CIA par Alban, le personnage d'Alban, mais en même temps, tu l'expliques au spectateur quel est le principe du truc. Et en fait, tu désamorces, on va dire, quelque part le truc, parce que tu le fais sur un côté en disant, bah, c'est tout, bah oui, c'est tout. Ouais. Voilà. Bah, en fait, non, là, j'ai retranscrit oui, ma mais... scène à moi. Non, mais quand on m'a l'a expliqué à moi. Ouais, bah ouais, mais je trouve ça bien, et parce que. Bah, ah ouais, là, ça, c'est un truc que moi, j'ai trouvé fort. Jean-Michel Chaplin, qui est notre conseiller technique, ancien du GIGN, sur le plateau, m'explique. Et je me suis dit, mais tu rigoles ou quoi? Parce que la scène n'était pas tout à fait écrite comme ça. Et. Ah ouais, tu comptes jusqu'à 3, ok, bon, on va faire ça. Hein. Ouais. Donc, bah, alors, ça marche mieux. Et l'autre truc moi, qui m'a par rapport entre, je dirais, fiction, réalité, documentaire, et tout, moi, qui m'a un peu, pas interloqué, mais qui m'a... Un truc, c'est qu'à aucun moment, tu n'utilises le mot terrorisme. Enfin, tu fais utiliser le mot terrorisme. Ouais, ça, c'est exprès. Voilà, ça, j'ai cru comprendre. Ouais. Sachant que moi, grâce aux coupures que tu as, je ne sais pas si ça vient de toi, mais en tout cas, qu'il y a dans le dossier de presse... Attends, je ne suis pas sûr. S'il y a quand même un personnage qui dit le mot terroriste. Peut-être, je me souviens pas. On verra. Les gens qui verront le film ne le rediront peut-être ouais. après, mais moi, je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus, je l'ai mais trop vu. Le fait est que le mot terroriste est employé à l'époque, dans les coupures de presse, pour en parler. Ouais. Donc, pourquoi, toi, cette volonté de ne pas parler de terrorisme, au-delà du fait que c'était, on va dire, en effet, j'ai cru comprendre que c'est des gens qui étaient là pour l'indépendance de leur pays. Bah, c'est exactement fait. Ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le terrorisme moderne. On n'est pas dans un terrorisme plutôt nihiliste. C'est des luttes politiques. Et eux, ils veulent un territoire. Est-ce qu'il y avait une demande de libération d'otages aussi de leur côté? Il n'y avait pas des gens qui étaient prisonniers? Il y avait aussi des prisonniers politiques. C'est ça, ce qu'ils appelaient des prisonniers politiques. C'est ça, ouais. Mais eux, ils voulaient le rattachement à la Somalie. Ils ne voulaient pas forcément Djibouti en tant que qu'État indépendant. Ce que la France et les États-Unis voulaient absolument éviter, puisqu'on est à l'entrée du détroit d'Aden, la mer Rouge et le canal de Suez en haut. Donc, et que tous les pays autour de Djibouti ont fait allégeance à Moscou à l'époque. Même en face, parce qu'il y a le Yémen qui est divisé en deux, il y a le Yémen Sud qui est communiste.
Et moi, je trouvais ça important, même pour les acteurs, de pas entre eux. C'était des acteurs anglais, donc on disait Freedom Fighters, parce que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Mm-hmm. Et je disais aux gens de l'équipe de dire indépendantistes. Parce que je voulais pas me retrouver avec des méchants hyper méchants. Et montrer un combat, enfin, que ça pose une question, c'est pas à moi d'y répondre, hein, mais que ouais. Le spectateur se dise est-ce que leur combat est légitime. En même temps, ils sont allés trop loin, ils ont quand même pris des enfants en otage. Qui est le combat interne que certains des tireurs ont eu, je pense. Ouais, mais moi je trouve que le, entre guillemets, le méchant en chef, là, c'est tout. Kevin. Et ouais, je trouve que tu lui donnes une certaine, pas subtilité, mais une certaine patine qui fait que, ne serait-ce que les interactions avec l'institutrice. C'est un homme qui est dépassé par ces événements, il crée un événement qui se passe pas comme prévu, et après tout part en sucette, et il peut plus maîtriser ce qui se passe. Quoi. D'accord, ok. Bon, bah, donc. Mais alors, moi, du coup, un film comme celui-là, quelle résonance, d'après toi, ça peut avoir sur l'actualité aujourd'hui, sur ce qui se passe? Ou est-ce qu'il y avait une volonté ou pas de volonté du tout de ta part? La première, c'est d'aider en termes de résonance, c'est si on peut aider les otages à être reconnus par l'État comme victimes du terrorisme, ce sera déjà. Alors là, on est dans le même process, grande victoire. La jurisprudence indigène, quoi. Ouais, après on n'est pas sur le même budget qu'indigène, oui, et on n'a pas, le même puissance. C'est plus Chirac, voilà. Que de l'autre côté. Par contre, non, mais ils ont été reçus par le président Macron en début d'année. Tous les otages. Ouais, parce qu'il y avait une cérémonie aux Invalides pour les victimes de terrorisme. Ah. Ils ont mis une plaque aux Invalides sur la prise d'otage de l'OIADA. Et il y a un projet de loi, parce que la loi ne couvre les victimes de terrorisme que jusqu'en 82. Et il y a un projet de loi va être déposé pour aller jusqu'en 74. D'accord. Parce qu'il y avait quoi avant? Il y a eu d'autres choses avant 76, alors, ça veut dire? Oui. Oui, d'accord. Oui. Okay, d'accord. Oui, bah, il y a du terrorisme. En fait, il y a beaucoup plus de terrorisme à l'époque, chaque semaine, qu'il y en a aujourd'hui. Ouais. D'accord, okay. C'est une des résonances avec aujourd'hui. Bah, dans les années 70, il y avait beaucoup de prises d'otages, il y avait beaucoup. Il y avait l'OLP, il y avait les Brigades Rouges, il y avait pléthore de groupes, soit de groupes d'extrême gauche, extrême droite un peu moins, et puis surtout au Moyen-Orient, des conflits qui sont. Et en plus, on a les services secrets qui, à l'époque, le KGB, la CIA, chacun finance ses propres groupes terroristes pour aller foutre le bordel chez l'autre. C'est quand même très, très différent. Donc, on a dit le premier truc, c'est la reconnaissance des otages. Ouais, je pense que ce serait super. C'est important pour eux. Nous, quand j'ai appris qu'ils avaient. En fait, j'ai appris pendant le montage du film qu'ils n'avaient jamais été reconnus. D'accord. Parce qu'ils m'avaient envoyé un courrier en disant ils n'étaient pas très contents que je les ai pas associés au film. Je leur ai expliqué pourquoi. Mmh. Pourquoi? Ben parce que quand on écrit, on n'associe pas les gens qui sont parties prenantes. C'est trop compliqué. Il y a trop de voix à écouter. Mmh. Et elles sont multiples. Mmh. Elles sont différentes. On fait. Puis moi, je suis pas, je suis ni documentariste ni journaliste. Mmh. Donc, je cherche absolument pas la vérité des faits. Je cherche une vérité dans l'émotion. Si je peux toucher du doigt le ressenti que eux ont eu pour le transmettre à des gens qui ne savent pas ce que c'est, je pense que j'ai réussi mon boulot. Ne serait-ce que si c'est un dixième de ce qu'on peut ressentir. Ah bah justement, donc on peut arriver aux 15 dernières minutes justement, qui était à l'origine le titre du film, c'est ça. Comment il s'appelait déjà le film à la base? 15 minutes de guerre. 15 minutes de guerre. Donc les 15. C'est ce qu'avait titré Minute le lendemain, donc c'était un peu compliqué pour moi de. Ah oui, parce que c'est Minute, oui. J'ai compris, ouais. Mais c'est 15 minutes, moi. Alors, hein, pour moi, c'est ce qui emporte le morceau, pour moi. Ça, c'est les 15 dernières minutes, ça et tout. Donc, pour revenir un tout petit peu sur la thématique réalité-fiction, est-ce qu'on est sûr que ces 4-5 personnes, enfin, ces 4 personnes, est-ce qu'ils ont défouraillé autant de trucs? On mettra un gros spoiler dans le truc, parce que pour bien faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils aillent voir parce que quand même, là, ça fait genre, on a l'impression que c'est Jason Bourne quand même. Tu vois, à la fin. Alors, je vais te dire tout très simplement, les anciens otages m'ont dit que j'étais totalement en dessous de la réalité. D'accord. Parce que là, de grosso modo, il y a une cinquantaine de morts à la l'enquête fin. L'enquête a dénombré plus de 20 000 douilles en un quart d'heure. Ah putain. Voilà. Donc, il y a 20 000 cartouches qui ont été tirées. Mais c'est pas que les snipers. Alors, du coup, il y a aussi snipers, la Légion et tout ça. La Légion s'y est mis. Ouais. Parce que tu le montres pas, ça, dans le film, au contraire. A priori, il y a que les snipers qui. Alors, qui... Je suis désolé pour la Légion. c'est vrai que j'ai. Parce que je voulais une dichotomie. Je voulais montrer qu'il y avait un corps militaire assez rigide. Ouais. Et que, en fait, quand tu as une nouvelle menace, comme le terrorisme, qui apparaît à l'époque, il y avait une nouvelle réponse, qui était une réponse, justement, beaucoup moins rigide.
un peu plus foutraque parce qu'ils avaient un métier à inventer. Et donc il me fallait une vraie opposition, pas politique, mais dans la méthode, dans la façon de faire. D'accord. Ce que représente le personnage de Vincent Pérez, qui, on le voit, lui, est un peu pris dans un truc, ça lui plaît pas non plus. La Légion est arrivée, ils sont restés une dizaine de minutes de ce que je peux recouper des différents témoignages, parce que personne n'est jamais d'accord, mais ils ont eu une dizaine de minutes comme ça où ils se sont retrouvés un peu seuls. Non, puisqu'il y a un des anciens otages qui m'a dit qu'il voyait des chèvres voler dans les airs, que ça a été... C'est commando, quoi. Exactement. Et qu'en fait j'étais en dessous. De la réalité. En dessous de la réalité. Ouais. Bah écoute, en tout cas, ces 15 dernières minutes marchent super bien, ça, je te le dis. Voilà. Alors, je sais pas si c'est parce que le reste du film marche bien et que j'ai pas bien vu, hein, j'ai de la merde dans les yeux, j'en sais rien. Non, mais en tout cas, ces 15 dernières minutes sont vraiment super bien. Les 15 minutes, elles sont bien parce que on a eu ce qu'il y avait avant. Oui, mais je l'entends. Tu parlais de Jason Bourne. Ouais. Jason Bourne, ça marche. Parce que tu as passé une heure à regarder ces atermoiements d'un homme qui n'aime pas tuer les autres et à qui ça pose des problèmes, qui a un problème moral. Donc ce qui fait que dès que tu rentres dans une scène d'action, tu sais qu'il y a quelque chose dans sa psychologie qui donne un angle très différent à la scène d'action. Donc elle ne devient jamais gratuite. C'est vrai que tu n'as pas aimé le début du film. Ce que je n'ai pas aimé dans le début du film, c'est que... Tout le début sert à ça, pour qu'au moment où il tire... On comprenne. J'ai compris. Voilà, ce qui en se fait, passe dans leur tête. Moi, ce qui me fait sortir du truc, c'est l'interprétation des personnages principaux. Parce que moi, ce que j'ai aimé, paradoxalement, c'est les deux scènes ou trois ou deux avec Balasko, moi que je trouve génial. Elle fait penser à Golda Meir, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que c'est une Golda Meir à la française. Ah c'est quoi, je sais pas si elle existait, ce personnage, parce que moi je savais pas. C'est un mélange entre Marie-France Garraud, conseillère de droite, qui est un peu déviée sur l'extrême droite, là, quand même, la Garraud. Et Simone Veil de l'autre côté. Ah, Simone Veil, c'est un mélange des deux. D'accord. Et je vais même te raconter un truc, c'est que Balasko, Josiane arrive, elle fait ses essais de costume, et elle me dit mais tu m'as réhabillé en Madame Musquin. Et je lui dis, c'est vrai. Elle me dit, mais tu sais quoi, c'est pas grave. Parce que déjà à l'époque, pour le costume de Madame Musquin, je m'étais inspiré de Simone Veil. Ah, génial. D'accord, ok. Voilà. Bon, donc la boucle est bouclée. La boucle était bouclée. Pas du tout sur le même genre de film, mais bon. Mais donc, tu vois, elle, j'aime beaucoup. Et puis, un autre acteur que je te le dis tout de suite, je déteste CPRS, je n'aime pas du tout ça. Enfin, je le trouve génial là-dedans. Je trouve il est dedans, il est dans le truc. Et donc, je trouve que du coup, Tu as tort parce que c'est un grand, grand acteur. Je ne dis pas le contraire, je dis simplement, c'est mon ressenti. Ouais, je ne dis pas que c'est un mauvais acteur. Je ne dis pas que c'est un mauvais acteur. Il y a une puissance de jeu, il y a un truc. Ah, mais moi, j'ai un truc. Et là-dedans, je trouve qu'il fait un mélange entre le mec pris par les trucs, un peu limite, pas salaud, mais limite le militaire. Qui a fait, je sais pas, l'Indochine, qui a fait le truc, qui a toute une tradition, qui a une tradition. Ouais. Donc cette tradition un peu militaire française, un peu désuète. Et je trouve qu'il le montre bien. Alors certainement grâce à peut-être à ton écriture, à la façon comme ça, et comment tu le mets en scène, mais ça marche bien. Et ce qui, je trouve, moi, ça marche moins bien sur les personnages principaux. Je rentre pas dans ce groupe, en fait. Je suis pas avec eux, je suis pas le truc. Et pourtant, la fin, elle est efficace. Tu les trucs, tu es là-dedans. Quand ils sont dans le bus, quand ils ont fait leur action, quand ils ont fait le truc, tu es avec eux. Franchement, tu es le truc. Et je m'explique pas pourquoi ça marche, pour moi ça marche pas avant, et pourquoi là ça marche super bien après. Donc voilà, moi je cherche pas à comprendre, je simplement que voilà, je te le dis. J'ai pas de solution. Non, il n'y a pas de solution, mais voilà. Pour moi déjà, ce genre de cinéma-là, c'est un cinéma qui me parle dans l'absolu, même si tu vois, je peux avoir, on va dire, quelques réserves. Mais on sort, là je veux juste terminer sur ce que représente, on va dire, ton film, comme d'ailleurs La Résistance de l'air, on va dire, dans le cinéma d'aujourd'hui. Donc, t'es cinéphile, tu as été biberonné un peu là-dessus. Aujourd'hui, tu vois, tu me parles de films de Verneuil, tu parles du cast, on a parlé du professionnel, ça et tout. Ton film, là, fait appel un petit peu à ce cinéma-là, qui est un cinéma qui, je trouve, aujourd'hui, disparaît totalement des radars, on va dire, de la production française. En tout cas, progressivement, en tout cas, avec de plus en plus de force. Et donc, comment toi, tu t'inscris ? Alors, on va dire du bon, alors, si tu veux. Parce que moi, donne-moi des exemples de films, là. Il arrive. Ah, bah alors, je t'écoute. Il arrive. Je t'écoute. Ça, j'ai pas le droit. Non, si, tu vas le dire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est toute une génération
de, mais ça, j'attends de, que ça, moi. De cinéaste. Je parle pas du cinéma de genre, tel qu'on peut en parler aujourd'hui, genre le film d'horreur, je parle vraiment de ton cinéma à toi. C'est-à-dire qu'il y aura très peu de monde pour réaliser les comédies dramatiques dans les appartements du 7e arrondissement. Et de moins en moins de monde pour faire des grosses comédies. Parce qu'on est on est de plus en plus nombreux à vouloir faire du genre. Et c'est plus que, en fait, les distributeurs, ils ont du mal à trouver des gens pour faire ce qu'ils aiment faire. Parce que nous tous, on est. C'est vrai, je ne vois pas. Moi, j'ai écrit une comédie d'action avec Thomas Krutoff qui avait fait La Mécanique de l'ombre, très inspiré d'un fantasme que j'ai depuis toujours, qui est de se poser la question qu'est-ce que ce serait le cinéma de Shane Black en France. Et c'est compliqué, ça fait un petit moment qu'on y travaille, pas mal, et on fait un film qui est sur Paris, enfin bon. Il y a plein de projets qui sont en train d'arriver. Parce que tout ce qu'on a vu dernièrement, franchement, c'est pas bon. Enfin bon, après je vais pas te faire parler, parce que t'as peut-être des copains, tout ça et tout, donc je vais pas te faire dire, mais moi je trouve ça pas bon. J'ai trouvé que Burnout, c'était super. Alors là, si tu prends Lucas, par exemple, qui est sorti cet été, c'est pas bon. Ouais, j'ai pas vu. Le film de comment il s'appelle, avec... pas Soleil Noir ou Plus Noir, là. Comment il s'appelle ce film, là, qui sorti aussi à l'été avec Lucas Le polar avec Romain Duris, j'ai pas vu. Voilà, avec Romain Duris. Du son de classe, ça marche pas, ouais, quoi. Non, le danger, c'est de le prendre trop premier degré. Mais on est d'accord. Et d'ailleurs, faut arrêter d'appeler ça cinéma de genre, je dirais. Oui, mais tu vois, dans le cas d'Audiard, on parle jamais de cinéma de genre. On est d'accord. C'est ça. Oui, ça devrait en fait. Mais justement, parce que lui, il est arrivé à aller au-delà quand il va parler des. Il va faire les Frères Sisters. Il transcende à chaque fois. Voilà, on est d'accord. Pour le meilleur ou pour le pire, mais en tout cas, à chaque fois, il le fait. Quoi, voilà. Donc, dans son cas, on parle pas de cinéma de genre. Non. Après, voilà, je te parlais de Thomas Krutoff, lui, plutôt dans le thriller politique ou d'espionnage. Et il prend toujours un peu de recul. La difficulté, elle est là, en fait, c'est de trouver dans ces trucs-là ce qu'on aime dans le cinéma américain. Tu vois, je vois le DVD de Police Fédérale Los Angeles, c'est d'avoir un tout petit peu de recul et de savoir toujours regarder le film que tu es en train de faire, lui donner un tout petit peu d'humour. Enfin, je parle pas de faire rire les gens, non, bien sûr, mais d'avoir un petit sourire. Bien sûr, hein. Ça lui permet de décoller un petit peu et de pas être premier degré. Ouais, je suis d'accord. Quand tu as le nez dedans, même Seven, de temps en temps, se décolle bien de son propre sujet. Bien sûr, bien sûr. On n'a pas ça, nous, en France. Je suis désolé, aujourd'hui, je ne vois pas. On ne l'a plus. Ça, je suis d'accord. Parce que Clouseau, Melville... on est entièrement d'accord. Verneuil, Molinaro, Lautner, tout le monde l'avait. Tout à fait. Non, on est rentré dans un truc, un peu trop... un peu trop sérieux. Mais est-ce que justement la période qui veut qu'aujourd'hui on soit dans une période connectée 2.0 autour des réseaux sociaux où on peut pas dire un mot plus haut que l'autre sans se faire tout de suite rabrouer par tout n'importe qui, justement, est-ce que justement ça tire pas vers le bas, justement, ce genre de choses, le politiquement correct, je sais pas, comme parce ça que moi je reçois des trucs de temps en temps, je vais pas je réponds pas. C'est compliqué pour un distributeur. Regarde, quand tu me parles de La Résistance de l'air, ils ont été obligés de déprogrammer à cause de toi. Alors d'accord, on est d'accord, c'est un gros truc, c'est l'attentat de Charlie, tout ce que tu veux, voilà. Mais depuis un petit peu cette période-là, même un peu avant, on est dans quelque chose de hyper... tout doit être contrôlé, aseptisé, tu dois pas dire un mot plus haut que l'autre. Je veux dire, là-dessus, j'ai jamais été trop contraint, enfin, on m'a pas fait trop de réflexion ou pousser à ne pas faire un truc ou à dire tu crois que cette scène, non, moi je le ressens assez peu parce que je pense que dans l'écriture qu'on a avec les gens avec qui je travaille, on essaie toujours de se distancier un tout petit peu. Mais je crois pas du tout que le cinéma de genre soit mort en France. Et parce que tu vois les producteurs comme Empreinte Cinéma, comme 24-25 avec qui je travaille, y a ça aussi, c'est que nous on n'est pas tout seul. Et que si on n'est pas suivi par un producteur et derrière par un distributeur à qui ça parle et qui nous soutient, moi je peux pas le faire, le film. Et même chez les producteurs, on se retrouve avec une génération qui est plus jeune et qui a grandi avec l'aventure de l'Arche perdue. Heureusement que ça arrive. Mais il n'empêche que tu me dis ça, mais moi je connais quand même des personnes dans mon entourage, pas pour parler de ma vie, mais qui sont des jeunes cinéastes qui ont fait des courts-métrages et qui voudraient pouvoir faire un peu un genre de cinéma, deux genres de cinéma, du thriller un peu polar, un peu sombre, un peu pas forcément déviant, un peu radical, c'est compliqué, il n'y arrive pas. C'est compliqué. Et les scripts sont loin d'être mauvais, attention, parce que tu peux te cacher derrière un script en disant le mec a dit non, il n'est pas bon. Le problème, c'est pas qu'il soit mauvais, c'est qu'il ait un angle.
Moi, c'est souvent le truc, c'est que je lis des trucs super, hein, mais ça manque d'angle. Enfin, en gros, quand je le lis, je me dis, ouais, c'est super, mais je l'ai vu 2000 fois. Mmh. C'est compliqué aujourd'hui de faire quelque chose de très original. Non, c'est vraiment. Là-dessus, moi, j'ai qu'un seul avis, c'est qu'il faut travailler. Et quand tu regardes l'écriture que Thomas Bilguin et Jacques Audiard ont, c'est vraiment ça. Ils réfléchissent au genre et ils se disent comment on va le regarder un tout petit peu différemment. Ouais, je comprends. Donc, ils font des listes de tous les films sur. Tous les films de prison et regardent, et ils disent, ok, alors. Il y a toujours la scène de machin, la scène de douche, la scène de truc. Bon, bah, on enlève. Comment on peut regarder, comment on peut regarder différemment? Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Ah, parce que tu me parles de Burnout, qui en effet, qui est peut-être l'exemple à peu près intéressant de l'année dernière. Dans la brume. Alors moi, je suis désolé, mais dans la brume, je déteste. Alors là, je suis désolé, pour moi, je trouve que c'est complètement raté. Et je trouve que pour le prix, tentative. Ouais, mais pour le prix que c'est, parce que là, on parle d'un budget à plus de 10 millions, je trouve que là, franchement, non. Et puis je suis pas là pour donner mon avis, mais c'est moi, pour moi, il y a un foutage de gueule du spectateur dans ce truc-là, pour que ce soit le spectateur qui aime le genre ou qui aime pas le genre. Hein. Donc on va reparler des choses négatives, mais moi, par exemple, un film qui a dû coûter 3 francs 6 sous, qui est pour moi extraordinaire, qui n'est pas français, qui est un film, je crois, on l'a vu dernièrement, qui est néerlandais, c'est Guilty. Guilty. C'est un huis clos, le mec avec un truc, c'est extraordinairement écrit, c'est super écrit, super travaillé. Mais ce genre d'histoire, tu les as déjà vues. C'est juste, il y a un angle différent. Oui, mais ça n'empêche que c'est quand même. Ben, ça n'est que ça. Oui, mais c'est génial. Il n'y a pas de problème que ça soit déjà vu. Si c'est traité comme ça, ça ne me dérange pas. Il y a un autre film. Alors là, je te dis pas que c'est. C'est juste la façon dont tu vas regarder un truc déjà vu. Mais ça me dérange pas, à partir du moment où tu traites le spectateur un truc, tu le traites pas pour un imbécile, ou en tout cas, tu le rentres dedans, tu l'impliques, tu vois ce que je veux dire. Là, pour moi, c'est Guilty. Et il y a un autre film qui traite, pour moi, qui est pour moi ce que j'ai vu de mieux l'année dernière, qui est un film français, tu vois, qui est pas un film de genre, mais qui traite de ça, c'est Jusqu'à la garde. Ah ben ouais. Voilà, ça super. Parle, c'est génial, ça c'est un truc extraordinaire. Alors, mais je peux te prendre un autre exemple, c'est que si tu prends First Man. Ah oui, de Chazelle, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Qui n'est pas un film très cher, enfin, pour des budgets américains. Certainement, oui, ça t'as raison. Qu'est-ce qu'il fait? Et cette histoire, on la connaît, hein. On la connaît. Elle est extraordinaire. On a eu l'étoffe des héros, enfin, c'est pas le premier. Mais c'est l'anti-étoffe des héros. Bah, il choisit un truc, c'est qu'il dit, je suis avec lui tout le temps. Voilà, il y a une radicalité dans le propos, dans l'écriture et dans la mise en scène. On est dans l'impique, des pics intimes. Ouais, tu vois, et pourtant, c'est génial. Un film que t'as vu 200 fois. Oui, mais sauf que voilà. Mais c'est ça la différence. C'est pour ça que c'est compliqué de dire aujourd'hui de faire original. C'est-à-dire qu'en fait, on est d'accord, c'est le regard porté sur ton histoire. Ça n'est que ton angle. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'angle. Bon, ça n'est que ça. Ok. Bah, tu vois, sur l'intervention, moi, je me suis dit, je vais faire un western. Ouais. Bah oui, mais ça se ressent de toute façon. Au lieu de faire un énième film d'armée, machin, je suis allé prendre dans les codes du western. Oui, bien sûr, mais ça se voit. Si on regardait un film militaire, ce qui a en plus déjà été fait, hein, mais voilà. Et puis ça avait été peu fait en France. Le dernier dont je me rappelle, c'est Les Morphalous, qui est relativement difficile à regarder aujourd'hui. Ouais. S'est passé? Ben, elle a dû pisser sur la ligne haute tension. Point final. Vous savez, ça s'est passé tellement vite, il n'a pas dû souffrir du tout. Du tout. C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. À part le mec, trois bonnes blagues. Voilà, part le mec qui dit que c'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite, on est d'accord, elle est bonne celle-là. Il y a du bon au dire. C'est trouver l'angle et tu peux raconter. De toute façon, on va arriver à un moment où on va être comme au théâtre, c'est-à-dire que on va commencer à refaire des. Bah,
qui est déjà beaucoup le cas, mais à reprendre des vieux scénarios. Oui, mais c'est pas. Mais à partir du moment où tu apportes un regard neuf. À l'arrivée, ça fait qu'il en est au quatrième remake depuis le début de l'histoire du cinéma. Bien sûr. Bah, c'est toujours pas mal. Mais à chaque fois, le réalisateur ou le scénariste a ramené juste une façon de le regarder. Tu es en train d'écrire sur un. Je suis en train de finir un scénario donc, qui s'appelle 75 avec Thomas Krutoff. D'accord, ok. Qu'on avait commencé avec Jérémy Guez, on est trois. Ok. Là, je vais faire une série pour 13e rue qui s'appelle Trauma. Comme Trauma, la boîte aux États-Unis, T-R-A-U-M-A. Ouais, ouais. D'accord, ouais. Génial. qui est une histoire de tueur en série sur laquelle on essaie d'avoir un angle un peu différent. D'accord. Et mais là, c'est pas mal, ça c'est... Mais toi, tu me parles de tes projets à toi, mais tu me dis qu'il y a des choses qui vont arriver. Alors tu me dis, je ne peux pas en parler. Mais un peu, grosso modo, dans quel genre ? Dans quel truc ? Genre le polar, la science-fiction, le fantastique, le porno, je ne sais pas, moi. Je ne peux pas. C'est pas à moi d'en parler. D'accord. À qui il faut que j'en parle ? Par exemple, je travaille sur un film de kung-fu social. De kung-fu social, ouais. J'adore. Shaolin Soccer 4. C'est pas pour tout de suite, mais mais rien que le projet sur lequel on bosse avec Thomas, cette idée de faire du Shane Black français. Ah mais ça fait saliver. Non, je te le dis tout de suite. On fait un espèce de. J'ai beaucoup de mal à le pitcher, voilà, on mélange. Je sais pas, ça ferait Amélie Poulain rencontre la haine, rencontre Nice Guys. Bah ouais, ça fait saliver, ouais. Ça me fait marrer déjà d'avance. Non, j'écris une comédie. Il y a plein de trucs, qui se passent, tu vois, entre les projets. Bah, je demande qu'à voir. Moi. Je vois. Tu prends le travail d'un mec comme Samuel Bodin. Oui. Très bien. Bah, je peux dire que Sam, il fait des trucs vraiment super. Quoi. D'accord. Là, il est en train de tourner une série d'horreur pour Netflix. Ah oui. Un Conjuring en Bretagne, on va dire. Ouais, d'accord. Ça va être de la balle. Bon, Non, mais après, c'est aussi le truc, c'est que les plateformes sont en train de nous aider aussi à exprimer tous ces trucs-là, toutes ces idées. On l'a pas abordé, ça, mais c'est vrai que c'est un des sujets que je traite beaucoup en ce moment. Ça va être déterminant pour l'avenir, parce que eux nous donnent des clés, nous laissent les clés. Ils nous laissent les clés de la maison et on peut... Mais quand tu dis plateforme, tu parles Netflix, mais tu parles aussi Amazon ou tout, ou que tout Netflix ? Tout le monde. Tout le monde. Même en France ? Ah ouais. D'accord. Ouais. Parce qu'en France, ils se cherchent pour l'instant, non. En termes de plateforme. Y a un nombre de projets, que ce soit. Enfin, c'est surtout la Netflix et Amazon. C'est ça, on est d'accord. Ouais, quand je dis qu'ils se cherchent, je dis pas qu'ils se cherchent en termes de projets, je dis qu'ils se cherchent de comment distribuer, comment montrer les trucs. Tu vois, par exemple, je donne un exemple tout bête, TF1 Vidéo, par exemple, qui jusqu'à présent sortait des DVD, tout, a décidé d'arrêter la vidéo physique, c'est terminé, depuis le 1er janvier. Et ils font tout quand dématérialisé. Mais tu vois, après un moment, il faut aussi trouver autre chose que MyCanal ou je sais pas. Ils n'auront pas le problème, c'est qu'ils n'ont pas la même. Ils n'ont pas la culture Netflix. On est d'accord. Et puis ils arrivent après la bataille. On appelle des réalisateurs. Ouais. Mais pourquoi pas, ils arrivent peut-être après la bataille, mais. HBO s'en sort bien alors qu'ils ont démarré très très tard. Ouais, mais HBO, c'est ça, ils existent depuis les années 70 et puis. Ouais, mais ils ont flippé. C'est-à-dire que. Bien sûr, ils ont flippé. Ils arrivent avec des. De la très très grosse qualité. Quoi. Voilà, c'est ça, toi. Donc ils ont ça derrière eux. Ils se plantent aussi, parce que. Bien sûr. Les trucs HBO qu'on voit arriver en France. Non, il n'y a pas. C'est le haut du panier. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui. Ouais. Bien, on est entièrement d'accord, bien sûr. Non, parce que tout le monde connaît HBO, c'est Game of Thrones, tout ça et tout, mais il n'y a pas que ça, on est d'accord. Il y a plein de trucs super. Bien sûr, tout à fait. Mais ils ont cette. On va dire, ils ont cette culture, ils ont ce savoir-faire depuis longtemps que n'a pas forcément Canal, parce qu'aujourd'hui le bureau des légendes, tous ces trucs-là qui font truc-là, finalement c'est pas il y a pas si longtemps que ça, et s'ils sont mis aussi un peu avec du retard. Mais ça veut pas dire qu'ils vont pas le rattraper. Je dis pas le contraire. Parce que étonnamment la demande, j'ai appris ça il y a pas longtemps, la demande est de plus en plus locale. C'est-à-dire que les gros vendeurs internationaux qui viennent vendre du produit média en Europe, les Américains en général, commencent à s'apercevoir que ça se vend plus aussi bien qu'avant. Mm-hmm. Que les meilleures audiences télé, les meilleures audiences plateforme, c'est du local. On va dire qu'une série brésilienne va être plus vue au Brésil qu'en France, c'est ça que tu es en train de me dire ? Et surtout, elle marchera mieux que les séries américaines importées. Oui, d'accord, bien sûr. Ils produisent beaucoup en local, et donc Amazon a suivi, et puis voilà. Faut en profiter. Il faut en profiter, puisqu'on est, on est très libre. Oui, c'est ça. Mais ça ne trompe pas, ils ont commencé avec des produits d'appel en allant voir les frères Cohen, Quaron, en leur disant qu'est-ce que vous voulez faire ? Chez nous, c'est open bar. Voilà. Ouais. Et donc après, ça, comme disent certains, ça ruisselle sur les plus petits réalisateurs et avec des projets, avec des pitchs vraiment foufous. Après, il y en a qui disent que, aussi que
dans un deuxième temps, quand Netflix aura acquis suffisamment de force, de maturité et de notoriété, ne feront plus, entre guillemets, appel aux petits ou aux trucs, ils feront appel qu'aux gros, quoi. Tu vois ce que je veux dire, histoire de continuer à avoir cette vitrine, on va dire, de cette belle vitrine, en fait. Ouais, tu vois. Mais vu le, l'âge moyen des consommateurs, enfin de leurs abonnés, mm-hmm. le genre, puisqu'on parle de genre, c'est quand même ce qui les fait. Il faut nourrir la bête, quoi. Puis il faut nourrir la bête, donc la bête, elle a besoin d'un constant. On nous a jamais demandé de produire autant de contenu. Donc voilà, il y a tout. D'accord. Donc pour toi, l'avenir est radieux. Enfin, quand je dis radieux, moi, je trouve que l'avenir, pour toi... Moi, franchement, ouais, je trouve que... Bah, écoute, tant mieux, parce que ça fait plaisir. Non, mais tu vois, j'ai fait un premier film qui n'a pas marché, mais comme il était plutôt bien fait, on m'a quand même demandé de faire d'autres choses. Mm-hmm. Et puis là, c'est toujours... On compte le nombre d'entrées en salle, c'est toujours compliqué, on a toujours envie de faire un super chiffre, mais... Et là, tu me dis que, justement, bah, ça, ça me fait penser, 150, 160 copies, tu m'as dit, pour celui-là ? 150. 150 ouais. Et... on a toujours envie de faire un score en salle, mais en même temps, on sait très bien que le jour où ça va arriver sur Netflix, enfin, ou même rien qu'à la télé, on fera 5 fois ça. Donc, ouais, bien sûr. Et là, SND, ils espèrent combien sur ce, tu sais ? Je sais pas, moi, je parle pas de ce genre de choses. Pas avec eux, en tout cas. Non, 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 mais c'est pas ça, c'est que depuis mon premier film, j'ai arrêté. Ouais, d'accord, je comprends. Je veux pas. D'accord. Donc tu seras pas demain à 9h au Hall pour savoir combien il y a de... Si, parce que c'est toujours sympa d'aller prendre des croissants là-bas, ouais. Mais... non, non, puis j'ai une série à écrire, j'aimerais être comme François Ozon qui s'arrange toujours pour être en tournage quand c'est son film d'avant sort. Parce que, ouais, c'est pas le moment, c'est toujours une journée un peu... Ouais, un peu chiant, toi. Ouais. Si on sauve ses enfants... Ça, vous décidez pas, moi. Merci, Fred. Merci. C'est fini. Merci, franchement.